Shalom, 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 shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Et bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine de Jésus. C'est Dieu, lui qui règne éternellement, lui qui est assis sur le trône de la gloire, le trône de la gloire, lui qui reçoit toute gloire de la part de ses enfants. C'est Dieu mérite l'adoration, c'est Dieu mérite d'être élevé. Ce Dieu mérite d'être exalté. Ce Dieu mérite d'être loué. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur. L'Éternel des armées. Le Seigneur qui veille, qui agit puissamment. Et la parole dit qu'il garde Israël, lui, il ne veille point, il ne dort point. Shalom à toi, mon frère. Nous sommes ce matin dans la quatorzaine du Seigneur. Oh, bienvenue, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté. Car ce matin, nous allons monter à nouveau. Nous allons monter à nouveau dans cette quatorzaine, bien-aimée, qui n'est pas, bien-aimée, la même que hier, bien-aimée. Et nous disons, à chaque quatorzaine, mon frère, ma soeur, Dieu vient nous visiter. À chaque quatorzaine, mon frère, ma soeur, Dieu vient se révéler à toi. Dieu vient se révéler à nous. Dieu vient nous montrer des choses extraordinaires. Mais avant de monter, j'aimerais dire à une personne que nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube Bien-aimé One TV. Nous sommes en direct sur notre page Facebook Briquet de Lesson. Et nous sommes aussi en direct sur notre page Instagram Briquet de Lesson. Et nous avons dit aussi que nous avons mis Bien-aimé en place des séquences Bien-aimé sur la chaîne Bien-aimé sur notre page TikTok où nous parlons Bien-aimé aussi du flash, flashé par le Seigneur, où Dieu vient te parler, où Dieu vient te toucher, où Dieu vient te titiller, où Dieu vient éclairer, bien-aimé, ta vie. Oh, pour ce matin, nous allons monter avec un thème. Le thème de ce matin s'intitule « Le mystère des genoux fléchis ». Le mystère des genoux fléchis ou le mystère du genou fléchi, bien-aimé. Nous parlerons du mystère ce matin. Mais c'est quoi un mystère, mon frère, ma soeur? Nous parlons du mystère du genou fléchi. Mais c'est quoi un mystère, bien-aimé? Un mystère, bien-aimé, comme nous le savons ou comme nous le connaissons certainement, un mystère, c'est quelque chose d'inaccessible à la raison. C'est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Un mystère, c'est quelque chose qui est de l'ordre surnaturel. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est inconnu, bien-aimé, et qui est même incompréhensible. Ce matin, nous parlons, bien-aimé, de ce mystère, bien-aimé, mais quel mystère? Mystère du genou, genou fléché, genou. Or, quand on parle du genou, mon frère, ma soeur, on voit certainement la partie du corps humain, bien-aimé, où la jambe s'articule, bien-aimé, avec la cuisse. Quand on parle du genou, bien-aimé, nous parlons de cette partie, cette articulation, bien-aimé, qui permet de soutenir l'homme, bien-aimé, qui permet à la jambe de se plier, qui permet à la jambe de faire un mouvement et donc qui permet à l'homme de marcher. Quand on parle du genou, bien-aimé, nous parlons, bien-aimé, de cette articulation, bien-aimé, qui soutient la partie supérieure du corps. Voilà pourquoi, bien-aimé,
Quand le genou est touché, quand le genou est atteint, bien-aimé, souvent on a du mal à marcher. Quand le genou est atteint, mon frère, ma soeur, on devient, bien-aimé, handicapé. Quand le genou est atteint, bien-aimé, souvent on devient paralysé, mon frère, ma soeur. On ne peut plus marcher. Quand les genoux, bien-aimé, sont fragiles, quand les genoux, bien-aimé, ont une situation compliquée, quand les genoux ne répondent pas, mon frère, ma soeur, on a du mal à marcher, on a du mal à se mettre debout, on ne peut pas se mettre debout, bien-aimé. Or, nous savons donc que le genou, bien-aimé, sans doute, bien-aimé, permet à l'homme de se tenir debout. Les genoux, bien-aimés, permettent à l'homme de se tenir debout. Donc, nous pouvons dire que le genou, mon frère, ma soeur, est le symbole du pouvoir. Le genou, mon frère, ma soeur, est le symbole de la force. Le genou, mon frère, ma soeur, est le symbole de la capacité. Le genou, mon frère, ma soeur, permet à l'homme de se tenir. Le genou permet à l'homme, bien-aimé, d'affronter. Le genou permet à l'homme d'avancer. Le genou permet, bien-aimé, à l'homme, bien-aimé, d'aller, bien-aimé, de courir, d'aller plus loin. Alors, nous pouvons dire que le genou représente le pouvoir. Mais ici, bien-aimé, nous ne parlons pas du genou physique. Nous ne parlons pas du genou physique, mon frère, ma soeur. Car quand nous libérons nos messages, nous sommes, bien-aimé, dans le domaine du spirituel. Ici, bien-aimé, nous ne parlons pas du genou physique, nous parlons du genou spirituel. Or, le genou spirituel, mon frère, ma soeur, est avant tout un pouvoir. Le genou spirituel, mon frère, ma soeur, est avant tout une capacité que nous avons à faire ou à défaire. Une capacité que nous avons à avoir, bien-aimé. La capacité que nous avons, bien-aimé, soit à nuire, ou la capacité que nous avons, bien-aimé, à faire des choses extraordinaires. Donc, le genou que nous parlons ici, bien-aimé, représente un pouvoir, représente une force, représente une puissance. De même que le genou, bien-aimé, permet à l'homme, bien-aimé, de se tenir debout et d'avancer. De même, bien-aimé, dans le spirituel, le genou est le symbole du pouvoir et de la force. Le genou, bien-aimé, est le symbole de la capacité, bien-aimé, de la puissance. Le genou, bien-aimé, permet à l'homme d'aller plus loin. Mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, nous allons prendre le verset 23. La Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit que Dieu dira, je le jure par moi-même et de par ma bouche, et de ma bouche sort, il dit, je le jure de par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun, chaque personne, chaque humain, toute personne bien-aimée, pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Alléluia. La parole dit que toute personne, tout ce qui vit, pliera le genou devant moi et toute langue confessera son nom. Si nous voyons une autre version, bien-aimée, dans le livre de Philippiens, la Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 5 au verset 11. La Bible nous dit, Philippiens 2, la Bible nous dit, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus. Lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes et se trouvant ainsi méconnu. Il a son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place, à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être humain, tout être bien-aimé, spirituel, humain, peu importe, tout être s'agenouille, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia.
Bien-aimés, nous parlons des genoux. Or, en parlant des genoux, mon frère, ma soeur, nous parlons du mystère des genoux. Mais en parlant de ce mystère, bien-aimé, nous avons deux façons d'aborder ce mystère des genoux, bien-aimés. Il y a la manière des chrétiens, bien-aimés, des chrétiens qui fléchissent les genoux, bien-aimés, pour élever, bien-aimés, pour élever le roi de rois, pour permettre au roi de rois de prendre sa place, pour permettre au roi de rois de rentrer dans sa gloire, bien-aimés. Le chrétien qui fléchit les genoux, bien-aimés, pour élever notre Seigneur Jésus. Le chrétien qui fléchit les genoux, mon frère, ma soeur, pour élever sa prière, pour honorer son Dieu. Le chrétien bien-aimé qui a la soumission, qui se soumet à la parole, bien-aimé, qui fléchit simplement les genoux avec humilité, bien-aimé, et avec soumission à la parole. D'autre part, bien-aimé, nous avons bien-aimé les gens, bien-aimé, les puissants de ce monde, bien-aimé, les orgueilleux, bien-aimé, qui fléchissent les genoux par contrainte, parce qu'ils sont obligés de fléchir devant ce Dieu-là, parce qu'ils sont obligés de tomber devant ce Dieu-là. Toutes les personnes de pouvoir, toutes les personnes qui pensent être aussi supérieures à Dieu, bien-aimé, la parole nous dit que toutes ces personnes-là tomberont devant le nom de Jésus. Ceux qui ont le pouvoir du mal, ceux qui ont l'autorité du mal, ceux qui ont la puissance de faire les choses négativement, mon frère, ma soeur, la parole me dit, tout genou doit fléchir, car, bien-aimé, devant Dieu, il n'y a que lui seul qui mérite la gloire, il n'y a que lui seul qui a l'autorité, il n'y a que lui seul qui a le pouvoir au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi le mystère bien-aimé des genoux fléchis est vu de deux façons. La manière dont tous les chrétiens nous fléchissons bien-aimés pour élever ce Dieu. Et la manière dont le pouvoir bien-aimé des autorités de ce monde tombe pour fléchir devant le nom de Jésus. Pour fléchir devant toi, enfant de Dieu, qui a reçu l'autorité de la part de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. De même que toi, dans ta soumission, bien-aimé, tu fléchis les genoux pour élever Dieu. De même que eux, dans leur orgueil, bien-aimé, dans leur autosuffisance, dans leur vanité, bien-aimé, ils fléchissent pour tomber plus bas que la terre. Alléluia. Alléluia. Et là, nous pouvons dire, mon frère, ma soeur, que le mystère des genoux fléchis, bien-aimé, est un mystère de yo-yo. C'est un mystère, bien-aimé, de yo-yo, mon frère, ma soeur. Ou le mystère, bien-aimé, où l'homme fort, bien-aimé, cède sa place au profit de l'homme faible. Où l'homme faible monte et l'homme fort tombe. Où le puissant tombe et le pauvre monte. Où le puissant tombe et le soumis monte, mon frère, ma soeur. C'est le mystère du yo-yo. C'est le mystère du yo-yo, mon frère, ma soeur. Et ce matin, mon frère, la Bible nous parle, bien-aimé, de ce pouvoir. La Bible nous parle de Dieu. Dans Ésaïe, bien-aimé, 45, la Bible nous dit, bien-aimé, que Dieu déclare. Que Dieu déclare, il jure par lui-même. Ésaïe nous dit que le Seigneur est en train de jurer par lui-même. Il prête serment. Comme il ne peut pas jurer par un nom qui est au-dessus de lui, parce qu'il est plus grand que lui, bien-aimé. Il n'y a pas une autre personne qui est plus grand que lui. Il jure par son nom. Il jura par son nom que tout genou doit fléchir, bien-aimé, devant lui. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui est plus grand que lui. Il n'y a pas une autre force qui est plus grande que lui. Tout genou doit fléchir. Ça veut dire le genou bien-aimé, c'est toute force contraire bien-aimé. Tout esprit bien-aimé a un genou. Bien-aimé, tout esprit a un pouvoir. Or, le pouvoir, c'est un genou. Nous avons dit que le genou, c'est l'image du pouvoir. Et la parole dit que tout pouvoir doit fléchir devant le Seigneur. Que l'ennemi doit fléchir devant le Seigneur. Et que toute langue doit confesser qu'il est Dieu. Oh bien-aimé, si Dieu jure par lui-même, mon frère, ma soeur, c'est que il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de lui. Si Dieu jure par lui-même, mon frère, ma soeur, c'est qu'il n'y a aucune force qui est au-dessus de lui. Ça veut dire, bien-aimé, que tout genou, toute puissance, bien-aimé, qui existe dans ce monde, est soumis à son autorité, est soumis à son pouvoir, est soumis à sa volonté, mon frère, ma soeur. Et ce pouvoir, mon frère, ma soeur, devrait plier les genoux, devrait se soumettre, bien-aimé, à la volonté de Yahushua. Ce pouvoir, bien-aimé, devrait se prosterner à la volonté de Yahushua. Ce pouvoir, mon frère, ma soeur, devrait tomber, bien-aimé, devant le Christ. La parole dit
qu'à son nom, tout genou fléchit. Alléluia. À son nom, tout genou fléchit. Ça veut dire que au nom de Jésus, tout pouvoir fléchit. Au nom de Jésus, toute puissance fléchit. Au nom de Jésus, bien-aimé, tout ce qui existe dans ce monde fléchit les genoux. Ça veut dire que tout ce qui existe doit tomber plus bas que terre, doit se prosterner devant ce nom-là. Doit se prosterner devant ce nom-là, mon frère, ma soeur. Mais, quel est ce pouvoir? Quelle est cette force, mon frère, ma soeur? Quel est ce pouvoir qui peut se prosterner devant le nom de Dieu? Quelle est cette force, mon frère, ma soeur? C'est les forces contraires. Quel est ce pouvoir qui peut se prosterner, bien-aimé? C'est le pouvoir de la maladie. Quel est ce pouvoir qui peut se prosterner, bien-aimé? C'est le pouvoir des sorciers, la force des sorciers. Bien-aimé, c'est le pouvoir du roi de ce monde. C'est le pouvoir, bien-aimé, de tout être invisible que visible, bien-aimé. La parole dit, bien-aimé, que tout pouvoir, toute force qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, bien-aimé, ils doivent se prosterner. Or, nous savons, bien-aimé, que dans les cieux, bien-aimé, il y a des principautés, il y a des esprits méchants, bien-aimé. Nous savons sur la terre, bien-aimé, il y a des esprits des eaux, il y a des sirènes, bien-aimé. Nous savons sous la terre, bien-aimé, il y a des esprits qui errent, mon frère, ma soeur. Sur la terre, il y a des esprits de forêt. La Bible me dit que toutes ces forces-là, tous ces esprits-là, devraient se soumettre, devraient plier. Parce que toutes ces forces-là, bien-aimés, ils ont des genoux, bien-aimés. Ils ont des genoux, bien-aimés, pour pouvoir se prosterner devant ce Dieu, pour pouvoir plier, bien-aimés, pour pouvoir tomber face contre terre devant ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu vis comme situation, bien-aimé, tous les maux que tu vis, mon frère, ma soeur, a l'obligation, mon frère, de plier les genoux devant le nom de Jésus. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il est monté sur la croix. Parce qu'il a reçu l'autorité. Parce qu'il a reçu la puissance. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, bien-aimé. La Bible nous dit qu'à ce nom, tout genou fléchit. À ce nom, bien-aimé, aucune puissance ne peut résister. À ce nom, bien-aimé, aucune force ne peut résister, bien-aimé. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Luc 10, bien-aimé, chapitre 19. La Bible nous dit, Christ, bien-aimé, nous donne le pouvoir. Il nous donne le pouvoir, bien-aimé, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et d'écraser, bien-aimé, toute puissance, toute force de l'ennemi. Il nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute ta puissance de l'ennemi, bien-aimé. Et rien, bien-aimé, que rien ne puisse vous faire mal. Rien ne pourra résister à vous. C'est-à-dire que quand on est dans le Christ, bien-aimé, quand on est dans le Seigneur, bien-aimé, Christ nous donne la capacité, bien-aimé, la capacité de faire en sorte que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui veut nous résister, toute force, toute puissance contraire, bien-aimé, puisse tomber devant nous. Christ nous donne la capacité, bien-aimé, de faire en sorte que, bien-aimé, tous les maux fléchissent devant nous. Quand on est dans le Christ, mon frère, ma soeur, nous avons la capacité, bien-aimé, de vaincre, bien-aimé, la maladie. Nous avons la capacité, bien-aimé, de vaincre, bien-aimé, toute force contraire. Nous avons la capacité, bien-aimé, de vaincre, bien-aimé, toute situation contraire. Oh, nous avons la capacité, mon frère, ma soeur, de fléchir les genoux des serpents. Nous avons la capacité, bien-aimé, de fléchir, bien-aimé, les genoux des scorpions, bien-aimé, qui représentent les forces occultes, qui représentent les forces du mal, qui présente toute forme de tentation, qui présente toute forme, bien-aimé, de maladie, qui présente toute forme de puissance, bien-aimé, qui présente toute forme de bicoque dans nos familles, qui présente toute forme de totem, qui présente toute forme d'hôtel, bien-aimé. Nous avons la puissance, nous avons le pouvoir, bien-aimé, de fléchir les genoux, bien-aimé, de ces forces contraires. Nous avons le pouvoir, quand le Christ, bien-aimé, de fléchir, bien-aimé, les genoux des sorciers. La sorcellerie, bien-aimé, fléchira les genoux devant toi, bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur. Ainsi l'Éternel dira à Josué, tant que tu vivras, rien ne résistera devant toi. Tant que tu vivras,
Aucun de tes ennemis, bien-aimés, ne résistera devant toi. Toute ta domination et tout pouvoir de l'ennemi tombera devant ta présence. Alléluia. Tout pouvoir de l'ennemi et toute sa domination tombera devant ta présence. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est dans le Christ, mon frère, ma soeur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Christ l'a donné l'autorité. Parce que Christ a donné le pouvoir. Parce que, bien-aimé, nous avons dit au préalable, bien-aimé, Dieu a juré par lui-même, bien-aimé, que toute puissance de ce monde, bien-aimé, s'agenouille devant lui. Que toute langue confesse, bien-aimé, son nom. Et que parce que, bien-aimé, Dieu a donné à Jésus-Christ, bien-aimé, ce pouvoir, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, il est monté sous la croix, bien-aimé. Il a vaincu l'ennemi, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible me dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tout ce qui vit a un nom, bien-aimé. Même les esprits impurs ont des noms, bien-aimé. Mais le nom, bien-aimé, qui est au-dessus de tous ces noms-là, c'est le nom de Jésus. Et la Bible me dit qu'à ce nom-là, tout genou fléchit. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, tous les pouvoirs contraires, toutes les forces contraires, toutes les puissances contraires fléchissent tes genoux. Nous avons dit le genou, c'est un pouvoir. De même que, mon frère, ma soeur, quand une personne bien-aimée tombe bien-aimée par les genoux, il ne représente plus rien. Quand tu as un problème de genoux bien-aimé, tu ne peux plus te mettre debout bien-aimé, tu perds la force, tu perds le pouvoir. Bien-aimé, quand tu n'as plus de genoux, bien-aimé, tu ne peux plus avoir la capacité, la force que tu avais. Quand tu es dans un fauteuil roulant, bien-aimé, tu n'as pas la même puissance que celui qui est debout, qui peut courir. Bien-aimé, quand les genoux sont abîmés, mon frère, ma soeur, tu deviens paralysé. Et quand tu es paralysé, bien-aimé, tu es soumis, bien-aimé, à celui qui est debout devant toi. Voilà pourquoi dans la Bible, bien-aimé, on nous parle de beaucoup de paralysés, bien-aimé, paralytiques, bien-aimé, qui ne faisaient que manger parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. Quand tu es paralysé, tu n'as plus l'autorité. Quand tu es paralysé, bien-aimé, tu n'as plus le pouvoir. Quand tu es paralysé, bien-aimé, tu n'as plus la force, plus la capacité. C'est les autres, bien-aimé, qui s'occupent de toi. C'est les autres, bien-aimé, qui ont le pouvoir sur toi, qui dominent sur toi, bien-aimé. Christ a reçu ce nom-là. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous parlons de ce pouvoir. Du mystère, bien-aimé, du genou fléchi. Tout genou doit fléchir devant ce nom-là. Oh, il dira à Josué, tant que tu vivras, rien ne résistera devant toi. Tout genou fléchira. Tout ennemi, bien-aimé, toute domination de l'ennemi, toute puissance d'ennemi, bien-aimé, fléchira les genoux devant toi. C'est le mystère du genou fléchi. Le mystère, nous avons du genou fléchi, bien-aimé, qui fait tomber les puissances, bien-aimé. Le mystère du genou fléchi, mon frère, ma soeur, qui élève l'humble, bien-aimé, qui élève le soumis, bien-aimé. Car quand tu es dans le Seigneur, bien-aimé, quand tu te reposes dans le Seigneur, bien-aimé, quand tu réfléchis tes genoux dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur te donne la capacité d'élève, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous avons dit que ce mystère est l'image du yo-yo, mon frère, ma soeur, où le puissant tombe, où le puissant fléchit les genoux, mon frère, ma soeur. Où le puissant tombe ce qu'il a. Mais où l'homme, bien-aimé, monte. L'homme que tu es aujourd'hui monte. L'homme que tu es aujourd'hui, bien-aimé, rentre dans sa destinée. L'homme que tu es aujourd'hui, bien-aimé, monte, bien-aimé, avec l'autorité possible, mon frère, ma soeur. Si Christ est en nous, quelle est cette force qui peut résister? Si Christ est en nous, mon frère, ma soeur, quelle est cette puissance, mon frère, qui peut tenir devant toi? Christ a reçu le pouvoir. C'est le pouvoir qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur. C'est le pouvoir qu'il a donné à toi. C'est le pouvoir que tu as reçu. C'est le pouvoir que nous avons reçu, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation, mon frère, quelles que soient les problématiques, quel que soit, bien-aimé, ce qui se présente à toi, tu as la capacité de neutraliser. Tu as la capacité, mon frère, ma soeur. Tu as la capacité, mon frère, ma soeur. Les disciples diront à Jésus, au nom de Jésus, à ton nom, maître, nous avons vu, bien-aimé, comment l'ennemi nous était soumis. Nous avons vu, mon frère, ma soeur, comment le diable était soumis. À ton nom, nous avons guéri les malades. À ton nom, mon frère, Jésus, le démon était soumis, bien-aimé. Nous étions soumis. Oh, mon frère, ma soeur, le démon se soumettra à toi, bien-aimé, parce que tu as l'autorité, mon frère, ma soeur. Le démon, bien-aimé, fléchira les genoux, bien-aimé, parce que tu as reçu l'autorité. Tout genou de l'ennemi, bien-aimé, fléchira devant toi. Les disciples ont témoigné que à ton nom, Père, à ton nom, Maître, nous avons vu le démon s'agenouiller. Nous avons vu le démon, bien-aimé, se soumettre. Nous avons vu, bien-aimé, les maladies partir.
partir. Nous avons vu, bien-aimé, les gens être guéris. Nous avons vu, bien-aimé, des choses extraordinaires à ton nom. Rien ne nous a résisté, bien-aimé, à ton nom. Oh, bien-aimé, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ a libéré l'autorité. Il a libéré le pouvoir, bien-aimé, à ses disciples. De même qu'il a libéré, bien-aimé, à ses disciples, de même qu'il te libère l'autorité ce soir, ce matin. De même qu'il te libère ce pouvoir ce matin. De même qu'il te libère ce pouvoir ce matin. Car il dira, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité de marcher, d'aller dans le monde. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité de marcher, mon frère, ma soeur. D'exercer la puissance, bien-aimé. D'exercer, bien-aimé, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez. Bien-aimé, Jésus te donne ce pouvoir. Il te donne l'autorité, bien-aimé. Mais face à l'ennemi. Que l'ennemi fléchisse les genoux devant le nom de Yoshua. Que l'ennemi fléchisse les genoux devant ta personne. Parce qu'en toi, il y a un Yoshua qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a le roi de rois qui est en toi. Parce qu'en toi, tu as celui qui a reçu le nom qui est le plus élevé. Parce qu'en toi, tu as celui bien-aimé qui fléchisse les genoux de toute puissance de ce monde. Alléluia. Et ils diront, nous avons vu, bien-aimés, nous avons vu mettre les gens être guéris. Nous avons vu mettre les démons se soumettre à ton nom. Eh bien oui, bien-aimés, c'est le mystère, bien-aimés. C'est le mystère que tu as appelé à vivre. Le mystère que tu as appelé à vivre, mon frère, ma soeur, le mystère du genou fléchi. Devant ta situation, mon frère, ma soeur, élève ce Dieu-là. Il te lèvera. Nous parlons du yo-yo. Nous parlons du mystère du yo-yo. Le mystère du genou fléchi, bien-aimé. Où ton humilité, bien-aimé, t'emmènera loin, mon frère, ma soeur. Où, bien-aimé, tes genoux fléchis, bien-aimé, t'emmènera loin. Plus loin, bien-aimé. T'emmènera loin, bien-aimé. Où le mystère du genou fléchi, bien-aimé, ramènera les choses au plus rapide, bien-aimé, que celui qui part en voiture ou en TGV. Quand tu vis dans ce ministère, dans ce mystère, mon frère, ma soeur, les portes s'ouvrent à toi. Quand tu vis dans ce mystère, mon frère, ma soeur, toi qui es humble, toi qui es fils de Dieu, toi qui as le coup de la parole, mon frère, ma soeur, les portes s'ouvrent à toi, mon frère, ma soeur. Pendant que bien les méchants tombent, toi tu montes. Pendant que le méchant tombe, toi tu montes. Pendant que l'orgueilleux tombe, toi tu montes. Pendant que l'impie tombe, toi tu montes. C'est le mystère du yo-yo, nous avons dit. C'est le mystère du yo-yo, nous avons dit. C'est le mystère du yo-yo, nous avons dit, mon frère, ma soeur, ce matin. Oh, j'aimerais dire à une personne que tu as reçu ce pouvoir. Tu as reçu ce pouvoir, mon frère, ma soeur. Tu as reçu ce pouvoir, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi laisses-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi laisses-tu, mon frère, ma soeur, que l'ennemi gère ta vie? Pourquoi laisses-tu, mon frère, ma soeur, l'ennemi prend la place dans ta vie? Pourquoi laisses-tu, mon frère, ma soeur, l'ennemi gérer ta vie? Pourquoi laisses-tu, mon frère, ma soeur, que les puissances occupent, bien-aimé, conduisent ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à faire tomber, bien-aimé, ces puissances? Pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu n'arrives pas à mener ta vie telle que Christ veut que tu mènes? Pourquoi tu n'arrives pas à témoigner comme les disciples ont témoigné, mon frère, ma soeur, qu'ils ont vu les démons être soumis, qu'ils ont vu les maladies tomber? Pourquoi ta vie n'est que maladie? Pourquoi tu ne pourrais pas rentrer, bien-aimé? Parce que tu n'es pas encore rentré, bien-aimé. Parce que tu n'as pas encore pris Jésus. Parce que tu ne vis pas encore Jésus. Parce que tu n'as pas encore intégré en toi, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, reçois le Christ. Intègre le Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur. Intègre le Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur. Intègre le Christ dans ta vie. La Bible me dit, afin qu'à ce nom, à quel nom, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas au nom de mon père. Ce n'est pas au nom de ma mère. Ce n'est pas au nom de X, Y, Z. C'est au nom de Jésus. Afin qu'à ce nom, mon frère, ma soeur, tout genou fléchit. Afin qu'à ce nom, bien fois, ma soeur, quel est ce nom? Comment vis-tu ce nom? Comment intègres-tu ce nom dans ta vie, mon frère, ma soeur? Acceptes-tu ce nom? Ce nom qui a accepté de mourir sur la croix. Ce nom qui a accepté, bien-aimé, l'humiliation pour toi. Ce nom, bien-aimé, qui est monté, mon frère, ma soeur. C'est parce qu'il est monté. C'est parce qu'il a accepté, bien-aimé. C'est parce qu'il s'est rabaissé, mon frère, ma soeur, que Dieu l'a souverainement élevé. C'est là où j'ai parlé, bien-aimé, du mystère du yo-yo, bien-aimé. Où l'homme, bien-aimé, s'élève. Où le méchant tombe, où le méchant fléchit les genoux. Bien-aimé, la parole me dit, bien-aimé, même, bien-aimé, la mort, bien-aimé, qui est une puissance indestructible, bien-aimé, a fléchi les genoux devant Yoshua. Alléluia.
Même la mort qui est puissante, bien-aimé. Même la mort qui a une puissance terrible, bien-aimé, a fléchi les genoux. Imagine ce que ce nom peut faire dans ta vie. Imagine ce que Jésus peut faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. En ce matin, mon frère, reçois ce nom-là. Toi qui le prends à la légère, mon frère, ma soeur, reçois ce nom-là, mon frère, ma soeur. Il te permettra d'aller loin. Il te permettra de monter. Il te permettra de gravir les échelons. Il te permettra, bien-aimé, de changer la condition de ta vie. Il te permettra de changer, bien-aimé, la condition de ton entourage. Il te permettra, bien-aimé, d'exceller en tout et pour tout. Il te permettra d'avancer, bien-aimé, dans le monde spirituel et dans le monde spirituel et le monde physique. Et comme, mon frère, ma soeur, c'est le spirituel qui impacte le physique, mon frère, ma soeur. Tant que tu auras ce nom-là, mon frère, ma soeur, ta vie spirituelle sera impactée. Et quand cette vie est impactée, mon frère, ma soeur, ta vie physique aussi est impactée dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Le mystère du genou fléchi. Le mystère du genou fléchi, mon frère, ma soeur. Où le puissant tombe. Où l'ennemi tombe. Où les forces contraires tombent. Bien-aimé, peu importe ta situation. Peu importe ton état de vie, mon frère, ma soeur. Quand ce nom se lève, mon frère, ma soeur, tout tombe. Quand ce nom se lève, mon frère, ma soeur, tu deviens un témoignage. Quand ce nom se lève, mon frère, ma soeur, tu deviens un témoignage de toi. Le témoignage, je disais tout à l'heure, qu'apportaient les disciples, mon frère. Tu deviens un témoignage. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir des genoux. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Bien-aimé, tous les esprits, toutes tes forces contraires, bien-aimé, ont des genoux. Parce qu'ils ont ce pouvoir, ils ont cette capacité, ils ont cette force, mon frère, ma soeur. Ils ont la force de faire du mal. Ils ont la force de nuire. Ils ont la force de détruire. Ils ont la force, bien-aimé. Mais la parole me dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. La parole me dit, malgré leur gris-gris, malgré leurs imprécations, malgré la puissance qu'ils ont, malgré, bien-aimé, ce qu'ils ont, au nom de Jésus, ils fléchissent les genoux. Bien-aimé, la Bible nous parle, bien-aimé, de Goliath. La Bible nous parle, bien-aimé, de ce guerrier, bien-aimé, de ce soldat, bien-aimé, de ce géant qui avait des genoux solides. Oh, bien-aimé, qui quand il se mettait debout, personne ne pouvait résister. Ce Goliath, mon frère, ma soeur, qui avait des chevilles aussi fermes, qui avait des genoux aussi fermes, bien-aimé, quand il se mettait à marcher, bien-aimé, tout tremblait autour de lui. Il avait l'autorité, il avait la puissance, bien-aimé. Il avait ce pouvoir, mon frère, ma soeur, de pouvoir terrasser même une armée entière. Oh, bien-aimé, la Bible me dit, malgré sa puissance, malgré sa force, oh, un jeune homme, bien-aimé, nommé David, bien-aimé, est venu au bout de ce Goliath. Oh, la Bible me dit, mon frère, ma soeur, malgré tout ce qu'il avait, un jeune homme humble, bien-aimé, un jeune homme soumis à la parole, un jeune homme soumis au Seigneur, bien-aimé, est venu à bout de ce méchant, est venu à bout de ce montagne. Oh, ce matin, comme ta vie à toi, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, tu viendras à bout, tu viendras à bout, quels que soient les échecs, quelles que soient les étapes, quels que soient ce qu'ils ont indiqué dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu viendras à bout de ces problématiques, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, les déclarations médicales, bien-aimé, flécheront les genoux. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, les situations que tu vis, mon frère, ma soeur, flécheront des genoux. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, la conjoncture négative de ta vie flécheront les genoux. Devant le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, tout sera soumis à toi. La Bible dit que ce dernier Goliath avait fléchi les genoux. Goliath est tombé par les genoux. Goliath est tombé par les genoux dans le nom de Jésus. Il était tombé lourdement devant ce jeune homme qui s'appelait David. Parce qu'en David, il y avait un grand Dieu. Parce qu'en David, il y avait un pouvoir. Parce que David avait reçu cette force, cette capacité que lui avait été octroyée par le Seigneur, que lui avait été donnée par les Yoshua, mon frère, ma soeur. En ce matin, je déclare ta vie, mon frère, que tu as ce pouvoir. Et ce pouvoir fera tomber l'ennemi de ta vie. Et ce pouvoir fera tomber, Seigneur, fera tomber la montagne qui s'est levée dans ta maison, dans ta famille. Ce pouvoir que toi tu as bien aimé fera fléchir les genoux de cette montagne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin. J'aimerais te dire ce matin, bien aimé. Autant marqué par Dieu, autant fixé par Dieu,
peu importe leur condition, peu importe ce qu'ils ont mis dans ta vie, peu importe la durée de ta situation, mon frère, ma soeur, ils finiront par fléchir les genoux. Ils finiront par tomber devant le pouvoir de Yahushua. Ils finiront par tomber, bien-aimé, dans ta maison. Ils finiront par céder, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas celui qui freine ta vie. Je ne connais pas celui qui bloque ta vie. Je ne connais pas la montagne qui s'est levée dans ta vie. Je ne connais pas les murets qui se sont levés dans ta famille. Je ne connais pas les problématiques de ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas, bien-aimé, ce que l'ennemi a déclaré. Je ne connais pas, bien-aimé, les déclarations, bien-aimé, que l'ennemi a fait. Je ne connais pas la loi, bien-aimé, qui bloque ta vie. Je ne connais pas, bien-aimé, ces ordonnances, bien-aimé, tout ce que l'ennemi, bien-aimé, a élaboré, bien-aimé, pour quoi ta vie. Mais ce matin, ce que je sais, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que quel que soit le temps, quelle que soit leur puissance, quelle que soit, bien-aimé, leur implication, ce matin, mon frère, ma soeur, celui qui est en toi est plus puissant que eux. Ce matin, je déclare que celui qui habite en toi, celui que tu as reçu, est plus puissant que eux. Celui que tu as reçu, bien-aimé, a reçu l'autorité, la puissance, mon frère, ma soeur, sur ses problématiques, sur ses problèmes, sur ses échecs, sur ses maladies, bien-aimé, sur le pouvoir du mal, sur le pouvoir, bien-aimé, de l'ennemi, bien-aimé. Celui qui est en toi, bien-aimé, viendra à bout, bien-aimé. La domination repose sur lui, mon frère, ma soeur. Et comme c'est sur lui que ça repose, mon frère, ça repose sur toi, mon frère. Parce qu'il est en toi. De même que la domination est en lui, il est aussi en toi. Parce que Christ est en toi. Donc la domination repose sur toi. Je déclare ce matin de ta vie à toi que ses genoux fléchissent. Que toutes ces personnes-là, mon frère, fléchissent les genoux devant toi. Car tu as la domination sur eux dans le nom de Jésus. Peu importe d'où ils viennent. Peu importe d'où ils viendront. Peu importe, bien-aimé, d'où ils viendront. Qui vient des montagnes, qui vient des forêts, qui vient des eaux. Peu importe, bien-aimé, qui vient des forêts. Ils flécheront les genoux. Ils flécheront les genoux, bien-aimé. Ils flécheront les genoux, bien-aimé. Ils tomberont, bien-aimé. Leur pouvoir tombera. Leur force tombera. Bien-aimé, nous parlons du pouvoir du mal. Nous parlons du pouvoir, bien-aimé. Quand on parle des genoux, on parle du pouvoir, bien-aimé. Je reviens encore. Nous parlons du pouvoir, bien-aimé. Ils tomberont devant toi. Ils tomberont devant toi, bien-aimé. Ils tomberont le visage contre terre. Car nul ne peut résister à ce Dieu. Alléluia. Nul ne peut résister à Yahushua. Nul ne peut résister au roi du roi. Nul ne peut résister à la main cachée. Bien-aimé, la Bible, bien-aimé, nous parle, bien-aimé. La Bible nous parle d'un Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu, mon frère, ma soeur. Dans le livre de 1 Samuel 5, bien-aimé, la Bible nous parle d'un Dieu. Oh, d'un Dieu des Philistins. La Bible nous dit, bien-aimé, que tout genou, bien-aimé, fléchit devant la puissance de Yahushua. Devant la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur, tout genou doit fléchir. Oh, bien-aimé, la Bible nous parle des Philistins. Oh, bien-aimé, la Bible parle des Philistins, bien-aimé. Les Philistins, bien-aimé, ils ont emporté l'arche de l'Alliance, bien-aimé. Ils ont pris l'arche de l'Alliance après avoir mis, bien-aimé, les Israéliens en déroute, bien-aimé. Ils ont pris l'arche de l'Alliance, bien-aimé, à Ébé-Désert. Ils ont pris, bien-aimé, ils l'ont amené chez eux, bien-aimé, à Ashdod, dans leur camp et dans le temple de leur Dieu Dagon. La Bible me dit, quand ils ont pris l'arche, ils ont amené à Ashdod chez eux, ils ont fait rentrer l'arche de Dieu bien-aimé dans le temple de leur Dieu, dans le temple de leur Dieu qui s'appelait Dagon. La Bible me dit, quand ils ont posé l'arche devant Dagon bien-aimé, le lendemain matin, quand ils sont rentrés, les grands prêtres sont rentrés, ils ont vu bien-aimé leur Dagon par terre. Alors que leur Dagon, il était plus grand que Goliath, il était plus élancé que Goliath, il pouvait mesurer 50 mètres ou 50 pieds ou 5 mètres, il était aussi grand, aussi impressionnant. C'était un Dieu qui était debout, qui avait des chevilles bien fixées, qui avait bien aimé la tête sur les épaules, qui était aussi costaud bien aimé. Mais la parole me dit que devant l'arche de l'Éternel, devant la présence de Dieu, le Dieu Baal, le Dieu bien aimé Dagon a cédé. Le Dieu Dagon bien aimé est tombé face contre terre. Oh, c'est pour te dire mon frère, ma soeur, que devant la présence de Dieu, aucune force ne peut résister. Devant la présence de Dieu, aucune puissance ne peut résister. Oh bien aimé, ils sont venus, ils ont vu que leur Dieu était face contre terre. Ils ont relevé ce Dieu-là. Le lendemain, ils se sont approchés, ils ont vu que leur Dieu était déchiqueté. Les genoux par terre, la tête à gauche, les mains à droite, le ventre passé par là, il était éclaboussé devant la présence de Yahushua. Yahushua était là, leur Dieu était dissipé, il était éclaboussé, il était éclaté, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire autant que quelle que soit la puissance de l'ennemi, quelle que soit la force des dieux de ce monde, aucun Dieu
aucune puissance, aucune force ne peut résister. La parole dit, à son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Alléluia. La parole me dit, à son nom, toute puissance fléchit les genoux. Quelle est cette force qui anime ta vie? Quelle est cette puissance qui bloque ta vie? Quelle est cette parole, bien-aimée, qui limite ta vie? Qu'est-ce qui, bien-aimé, conduit ta vie? Qu'est-ce qui, bien-aimé, bloque ta vie? Quelle est cette puissance, bien-aimé, qui prend ta vie en otage? Bien-aimé, les Philistins avaient confiance en leur Dieu. Ils ne se voyaient pas faire des choses sans leur Dieu. Ils disaient que leur Dieu, c'est un vrai Dieu. Ils croyaient que leur Dieu était fort et puissant. Mais bien-aimé, devant la face de l'Éternel, leur Dieu est tombé par terre. Oh bien-aimé, aucune puissance ne peut résister. Bien-aimé, quand tu te lèves, bien-aimé, tu tombes. Quand tu te lèves, bien-aimé, tu tombes. Tu peux être milliardaire, mon frère, aujourd'hui. Tu peux être millionnaire, mon frère, aujourd'hui. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Mais quand tu montes, bien-aimé, quand tu deviens, bien-aimé, imbu de ta richesse, quand tu t'enfermes dans ta richesse, mon frère, ma soeur, beaucoup sont les serviteurs de Dieu. Beaucoup sont, bien-aimé, les gens dans ce monde, bien-aimé. Quand tu s'élèves dans leur puissance, quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, quand tu commences à avoir beaucoup d'affaires, bien-aimé, ils s'enferment dans leur pouvoir. Ils pensent être supérieurs à tout. Ils pensent atteindre le sommet, bien-aimé. Ils s'enferment dans leur ghetto. Ils s'enferment dans leur tour d'ivoire, mon frère, ma soeur. Aussi longtemps que tu es monté, aussi vrai que tu es monté, mon frère, ma soeur, c'est la même façon que tu tomberas devant la présence de Dieu. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu, bien-aimés, ont fléchi les genoux parce qu'ils se sont enfermés, bien-aimés. Ils ont cru qu'ils avaient le pouvoir. Dieu les a fait grâce. Ils sont montés tellement haut, bien-aimés, et ils ont bouché leurs oreilles. Ils se croyaient être le centre du monde. Ils se croyaient être le Dieu. Beaucoup sont arrivés jusqu'au point de vouloir recevoir l'adoration. Bien-aimés, la chute est aussi fatale. Car Dieu ne résiste pas aux orgueilleux, bien-aimé. Dieu ne partage pas son adoration, il ne cède pas, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te lève, bien-aimé, c'est pour le service, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te lève, bien-aimé, c'est pour le servir, mon frère, ma soeur. Pas pour l'affronter, pas pour prendre les autres comme des esclaves, pas pour être comme Dieu, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui se sont fait passer comme Dieu, mon frère, ma soeur, un jour, ils ont fléchi les genoux, ils sont tombés aussi bas, ils sont tombés aussi bas. Voilà pourquoi de nos jours, beaucoup tombent aussi bas. Beaucoup sont dans les lamentations, beaucoup sont dans les problématiques, parce qu'ils se sont montés, ils ont vu, bien-aimé, que la vie s'arrêtait à eux. Ils ont vu, ils se sont comparés au Dieu, mon frère, ma soeur. Oh, devant Dieu, mon frère, ma soeur, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Beaucoup de gens ont pris des noms, se sont donné des noms qui feraient des autres, des noms bien-aimés qui n'ont rien à voir. Beaucoup de gens bien-aimés sont enfermés, bien-aimés, dans les tours du voile. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit bien-aimés, des fidèles lambda, des hommes par lambda de ce monde. Qui se sont enfermés dans les richesses, dans le bien matériel, bien-aimé, qui traitent les autres comme des merdes, mon frère, ma soeur. Qui veulent recevoir, bien-aimé, l'honneur et la gloire de la part des hommes. Il y en a des hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, qui s'enferment, mon frère, ma soeur, qui ne peuvent même pas recevoir les autres, alors que le travail de Dieu, un serviteur, bien-aimé, est au service des autres. Tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur. Tu n'es pas plus grand que le maître. Au lieu d'être au service des autres, mon frère, ma soeur, il y en a qui sont plus que des patrons, plus que des rois. Bien-aimé, la chute est fatale. Tes genoux, bien-aimé, tu le fléchiras. Ton pouvoir tombera à l'eau. Voilà pourquoi beaucoup tombent aujourd'hui. Beaucoup sont obligés d'aller vers des maisons pour pouvoir se maintenir, bien-aimé. Pour pouvoir allumer la flamme qu'ils ont perdue, mon frère, ma soeur. Mais rien ne s'est fait. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne. Quel que soit le pouvoir de l'ennemi, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, bien-aimé, devant toi, ils flécheront les genoux, bien-aimé. Devant toi, ils flécheront les genoux, car en toi, tu as un grand Dieu. En toi, tu as une force. En toi, tu as quelque chose qui a la capacité. Nous avons dit ce matin, nous expérimentons, bien-aimé, le mystère des genoux fléchis, qui est l'image du mystère du yo-yo, bien-aimé, où le riche tombe, où le pauvre monte, où, bien-aimé, le puissant tombe, où le pauvre monte, bien-aimé, où le puissant tombe, où l'humble monte, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas contre ceux qui ont l'argent. J'aime l'argent. Je suis contre les orgueilleux, bien-aimés. Et Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la parole.
Tu peux avoir des millions, bien-aimé, être au service de Dieu. Tu peux avoir des millions, être au service des hommes. Voilà à quoi sert l'argent. Voilà à quoi sert des millions, bien-aimé. Servir Dieu. Servir son peuple, bien-aimé. Être au service des autres. À quoi ça sert, bien-aimé, de dominer les autres, bien-aimé, d'écraser les autres. Plus tu domines, bien-aimé, plus tu seras dominé, mon frère, ma soeur. Tout genou fléchira devant le nom de Dieu. Tout genou fléchira, bien-aimé, devant le nom de Yahushua. Aucune puissance ne résistera. Car il a reçu un nom. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de toute puissance, bien-aimé, toute force, mon frère, ma soeur. Alors, ce matin, Éternel, l'Éternel te demande, toi qui es monté sur haut, de sortir de la vanité. De sortir, bien-aimé, de la vanité. De sortir de ton autosuffisance, bien-aimé. Sinon, la chute te sera fatale. Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel te parle. Il te rappelle, bien-aimé, qu'il demeure et reste le maître. Il demeure et reste le maître, mon frère, ma soeur. Il est le maître de toutes choses. Et quand il est en toi, mon frère, ma soeur, tu règnes aussi comme lui. Mais c'est parce que tu es humble à la base. Parce que tu es soumis à la base, à la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, sa promesse, bien-aimé, sur Josué s'est réalisée. Quand tu diras à Josué, rien ne résistera devant toi. Parce que Josué était dans l'humilité. Josué était dans la soumission. Josué était dans la parole, bien-aimé. Et Dieu l'a élevé, bien-aimé. Et aucune force, bien-aimé, ne l'a résisté. Parce que David était dans la soumission. C'est dans la parole de l'aimé qu'aucune montagne ne l'a résisté. Pendant que les forces, pendant que d'autres peuples couraient, pendant que son peuple courait, pendant que les soldats couraient, bien-aimé, lui dans l'humilité, lui bien-aimé dans la soumission à la parole, bien-aimé, il s'est levé, bien-aimé, il a fléchi les genoux de Goliath. Parce qu'en lui, il avait un grand Dieu. Devant toute puissance, devant toute force, mon frère, ma soeur. Effort qu'élève le nom du Seigneur. Devant toute force, mon frère, ma soeur. Devant toute puissance, bien-aimé. Élève le nom de Dieu. Élève ce nom-là, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, en tant que Dieu, Christ a accepté l'humiliation. Christ, il s'est rabaissé à un point. Il s'est rabaissé, bien, mon frère, ma soeur. Il est monté, bien-aimé, sur la croix. Il est monté jusqu'à donner sa vie. Donner sa vie sur une croix, bien-aimé. Une croix qui était réservée aux bandits. Il s'est donné, bien-aimé, pour toi, bien-aimé. Il s'est donné comme un vulgaire bandit, bien-aimé. Il s'est donné comme un vulgaire voyou, bien-aimé. La Bible me dit, c'est parce qu'il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il s'est rabaissé. Parce qu'il a obéi. Parce qu'il s'est soumis à la parole, bien-aimé, à la volonté de son Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé, mon frère. Pourquoi toi tu résistes? Pourquoi tu résistes, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi tu ne monteras pas. Voilà pourquoi tu n'avanceras pas, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que Dieu l'a supérieurement élevé. Il a donné une autorité. Il a donné un pouvoir. Il a donné un nom, mon frère, ma soeur. Un nom. Tu t'appelles peut-être Serge. Tu t'appelles peut-être Robert. Tu t'appelles peut-être Achille. Tu t'appelles peut-être Albert. Tu t'appelles peut-être maladie, tu t'appelles peut-être sécheresse, tu t'appelles peut-être obscurité, tu t'appelles peut-être je ne sais quel nom, mais la parole me dit qu'on l'a donné, Christ a reçu un nom qui est Jésus, et la parole me dit à ce nom-là, tout genou fléchit. C'est-à-dire qu'aucun autre nom ne peut résister à ce nom-là. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire que le nom de Jésus est au-dessus du nom que nous portons. Il est au-dessus du nom qui s'appelle esprit, au-dessus du nom qui s'appelle démon, au-dessus du nom qui s'appelle légende, au-dessus du nom qui s'appelle, peu importe le nom, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus est au-dessus. Ça veut dire que quand tu es au-dessus, tu es supérieur. Et quand tu es supérieur, les autres doivent soumettre. Quand tu as la supériorité, mon frère, ma soeur, les autres se soumettent à toi. Ils doivent se prosterner. Quand tu as la supériorité en toi, mon frère, ma soeur, les autres se prosterneront devant toi. Quand tu as ce nom-là en toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, les autres vont se prosterner devant toi. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom, bien-aimé, qui fait mal, bien-aimé, à l'ennemi.
qui fait mal, bien-aimé, à l'esprit, qui fait mal, bien-aimé, aux forces contraires, qui fait mal, bien-aimé, à tous ceux qui sont sous la terre, à tous ceux qui sont dans la terre, à tous ceux qui sont dans les cieux. Tous ces esprits des principautés, des esprits de contrôle, bien-aimé, le nom de Jésus fait mal. Il fait mal, mon frère, ma soeur. Les vivants, les morts, à toute personne, mon frère, ma soeur, toute personne qui porte un nom, le nom de Jésus, bien-aimé, est au-dessus. Le nom de Jésus au-dessus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, quand Jésus est passé l'autre rive, mon frère, ma soeur, il a rencontré, bien-aimé, une personne, bien-aimé, qui était possédée par une légion. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il est passé, bien-aimé, de l'autre côté, de l'autre bord, il est arrivé, bien-aimé, à Gadara. Mais à Gadara, bien-aimé, pendant qu'il traversait, bien-aimé, un secteur, il a croisé une personne, bien-aimé, qui était possédée par des légions, qui était possédée par des démons, bien-aimé, méchants. Mais quand les démons ont vu ce nom-là, quand les démons ont vu cette personne-là, au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, la parole me dit que les démons ont cédé. Ils ne pouvaient pas résister, car en face d'eux, ils avaient un supérieur. Ils avaient une personne qui avait reçu l'autorité. Ils avaient une personne qui avait le pouvoir sur eux. Et ils pouvaient pas faire, il pouvait rien faire, mon frère, ma soeur, sinon que de céder, que de lâcher, mon frère, ma soeur, l'homme de Gadara. Voilà pourquoi la Bible me dit, quand je suis approché, mon frère, ma soeur, les démons commençaient à trembler. Ils ont commencé à supplier, maître, maître, ne nous abandonne pas, envoie-nous même dans les porcs, envoie-nous même dans les cochons, ne nous laisse pas comme ça, maître. Ils ont commencé à supplier, parce que bien aimé, les démons avaient reconnu l'autorité supérieure de Jésus. Alléluia. Ils se sont prosternés devant Jésus pour le supplier. Pour le supplier, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel est l'esprit qui anime ta vie. Je ne sais pas quelle est la force qui anime ta vie. Mais la force, cette force-là, devait te supplier, devait s'agenouiller, mon frère, ma soeur. Devait lâcher, bien aimé, ta vie dans le nom de Jésus. Reçois Jésus, mon frère, ma soeur. Fais de Jésus ta vie, mon frère, ma soeur. Il cédera devant le pouvoir que Christ te confère. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin je déclare dans ta vie. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Et même si ta barque est en train de bouger, même si ta barque, bien-aimé, est remplie de problèmes, même si l'eau est en train de remplir dans ta barque, mon frère, ma soeur, même si ta barque commence à déborder, même si ta barque, bien-aimé, commence à tanguer, n'oublie pas que tu as un Dieu. N'oublie pas que tu as un Dieu en toi, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que tu as un Dieu qui habite en toi. N'oublie pas que tu as un Dieu qui a fait, bien-aimé, ta barque, bien-aimé, son temple. N'oublie pas que c'est un Dieu, bien-aimé, qui a fait de ton corps, mon frère, ma soeur, sa résidence principale. Oh, bien-aimé, n'oublie pas, bien-aimé, quelles que soient les secousses de la vie, quelles que soient, bien-aimé, les tribulations de la vie, n'oublie pas que en toi, bien-aimé, tu as un Dieu fort et puissant, bien-aimé. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Car le Dieu-là connaît la source des problèmes. Le Dieu-là connaît la source des problèmes, bien-aimé. Aie confiance en ce Dieu-là. Il a reçu le tout pouvoir. Il a reçu le tout pouvoir, bien-aimé. Et ce pouvoir suffit, bien-aimé, pour faire taire. Ce pouvoir suffit, bien-aimé, pour arrêter, bien-aimé, l'agitation qui se passe dans ta vie. Ce pouvoir suffit, bien-aimé, pour faire taire les forces contraires dans ta vie, mon frère, ma soeur. Confie-toi à Yoshua. Ouvre-toi à Yoshua, mon frère, ma soeur. Livre-toi à Yoshua, mon frère, ma soeur. Il fera des choses, bien-aimé. Il fera fléchir, bien-aimé, les genoux de ses problèmes, les genoux de ses ventes, les genoux de ses situations, mon frère, ma soeur. Christ est capable. Il n'y a que lui qui peut le faire, mon frère, ma soeur. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Or, ce matin, je déclare au nom de Jésus que tout vent qui s'est levé dans ta vie, bien-aimé, puisse se taire aujourd'hui. Je déclare ce matin dans ta vie que tout vent qui s'est levé, bien-aimé, puisse se taire. Ce matin, je déclare que tout esprit qui s'est levé dans ta vie, bien-aimé, qui s'est permis de rentrer dans ta vie, bien-aimé, ce soir, cède, bien-aimé. Oh, ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que toute puissance, bien-aimé, qui s'est levée, toute montagne, toute muraille, bien-aimé, qui s'est posée devant ta vie, bien-aimé, puisse céder, mon frère, ma soeur, puisse fléchir les genoux. Peu importe, bien-aimé, le nombre de légions,
peu importe le nombre de démons, peu importe ta situation, bien-aimé, ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, parce que tu as reçu ce pouvoir, parce que le pouvoir est en toi. Le pouvoir, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Je déclare dans ta vie ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit la durée, quel que soit, bien-aimé, le temps que ça a mis ce matin, que cette situation tombe ce soir, tombe ce matin sous le pouvoir de notre Seigneur Yahushua. Ce matin, que cette situation fléchisse tes genoux sous le pouvoir de notre Seigneur Yahushua. Voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne à pouvoir élever le nom de Jésus. Bien-aimé, quand ce nom est élevé dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand ce nom est élevé dans ta vie, mon frère, ma soeur, tout genou fléchit. Oh, devant la mort, bien-aimé, élève le nom de Jésus. Devant la maladie, élève le nom de Jésus. Devant les échecs répétés, élève le nom de Jésus. Devant les obstacles de ta vie, élève le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Devant la sécheresse, bien-aimé, dans ta vie, élève le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Devant les difficultés, bien-aimé, élève ce nom-là, mon frère, ma soeur. Toi qui attends le mariage depuis tant d'années, élève ce nom devant, élève ce nom, mon frère, ma soeur. Toi qui attends la conception depuis tant d'années, élève ce nom, mon frère, ma soeur. Lui seul ne meurt jamais, mon frère, ma soeur. Lui seul, Jésus, mon frère, qui a englouti la mort, il a englouti la sécheresse, il a englouti la puissance de l'ennemi, bien-aimé. Il a fait flécher les genoux de Dagon. Il est l'éternel, bien-aimé. Il ne te rejettera pas. Élève ton nom, quel que soit ton problème, que soit ta situation, bien-aimé. Ne te lève pas toi-même. Ne lève pas l'homme. Élève le nom qui a reçu le pouvoir. Élève la personne qui a reçu l'autorité, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout genou fléchira devant son nom. Tout genou fléchira devant son nom, bien-aimé. Toute puissance de l'ennemi fléchira devant la personne de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, ce matin, je lève une prière, bien-aimé. Je lève une prière pour toi qui est là, connecté ce matin. Oh, devant, bien-aimé, devant toute barrière ce matin. Toute barrière qui s'est levée dans ta vie. Ce matin, je déclare que cette barrière tombe dans le nom de Jésus. Oh, car même la barrière a des genoux. Et ce matin, bien-aimé, que cette barrière puisse fléchir devant le nom de Jésus. Dans ta vie, ce matin, je déclare, bien-aimé, je lève ce nom de Jésus, bien-aimé, afin que toute puissance le contraire, bien-aimé, afin que, bien-aimé, tout hôtel qui s'est présenté devant toi, mon frère, ma soeur, là où ton nom a été envoyé, là où ta personne a été envoyée, bien-aimé, là où on t'avait enfermé, mon frère, ma soeur, ce soir, bien-aimé, que toutes ces personnes tombent dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tout esprit qui s'est levé devant toi, mon frère, ma soeur, puisse tomber ce matin. On puisse céder ce matin. De même que l'homme de Gadara, qui était possédé par des esprits bien-aimés, ils ont lâché devant la personne de Jésus. Ce matin, je déclare que tout esprit impur dans ta vie puisse lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus, je viens ce matin briser la puissance du chômage dans ta vie. Je viens ce matin briser la puissance de l'échec dans ta vie. Je viens ce matin briser la puissance de la maladie dans ta vie. Je viens ce matin briser, bien-aimé, la puissance, bien-aimé, de l'obscurité. Je viens ce matin briser, bien-aimé, toute force contraire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Rekabashika. Rekabashika, baba, baba. Que le nom de l'Éternel s'élève dans ta vie ce matin. Qu'il se lève, bien-aimé, ce matin dans ta vie. Afin que, bien-aimé, le mal tombe. Afin que l'ennemi tombe. Afin que la sécheresse tombe. Afin que, bien-aimé, tout ce qui n'est pas de Dieu tombe. Que ce matin, bien-aimé, je viens élever son nom dans ta vie. Afin que, bien-aimé, toute langue confesse qu'il est Dieu. Que la maladie confesse que Jésus est Dieu. Que la sécheresse de ta vie confesse que Jésus-Christ est Dieu. Que tout ce qui bloque ta vie confesse que Jésus-Christ est Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus. De même que Pharaon a confessé que le Dieu de Moïse était un Dieu, ou que ce matin, bien-aimé, les dieux de ta famille confessent aujourd'hui que le Dieu de Jacques, que le Dieu de Jérôme, que le Dieu de Josué, que le Dieu de Serge, c'est un vrai Dieu. Alléluia. Que ce matin, bien-aimé, l'ennemi de ta vie confesse qu'il est vrai Dieu. Oh, je proclame, bien-aimé, une nouvelle saison dans ta vie ce matin. L'élévation dans ta vie ce matin. Je proclame ce matin, bien-aimé, que ton humilité, bien-aimé, que ta soumission te lève dans le nom de Jésus. Oh, ce matin,
Je proclame, bien-aimé, que ta docilité à la parole t'élève dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, je l'ai bien-aimé. Je proclame, bien-aimé, que le chemin s'ouvre devant toi. Que le chemin s'ouvre devant toi. Car nous avons dit, bien-aimé, que cette année, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Oh, bien-aimé, que ce matin, bien-aimé, que tu t'engages pour le témoignage. Oh, que le chemin s'ouvre dans ta vie pour le témoignage. Que cette voie s'ouvre, mon frère, ma soeur. Que ce chemin s'ouvre, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Toi qui as reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms. Toi qui as reçu une puissance, bien-aimé. Toi qui as reçu une puissance sur laquelle aucune force ne peut résister, bien-aimé. Nous proclamons que tu es Dieu dans nos vies. Nous t'établissons comme Dieu dans nos vies, bien-aimé. De même que tu as donné ce pouvoir. Tu m'as donné ce pouvoir. Tu m'as dit, tu m'as établi, bien-aimé, sur la force ennemie, bien-aimé. Donne-moi la capacité d'aller, bien-aimé, et de pouvoir mener ces batailles dans le nom Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Dans le nom de notre Jésus-Christ, nous acclamons encore pour le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ainsi fut la 14e de ce jour, mon frère, ma soeur, où nous avons parlé, où nous parlons du mystère bien-aimé, du genou fléchi, du mystère bien-aimé, qui est l'image du yo-yo bien-aimé, où l'homme impie tombe, il doit tomber, où l'ennemi doit tomber, où l'homme doit monter. Alléluia. Oh, ce matin, bien-aimé, toi, l'homme du Seigneur doit monter, toi qui es soumis à la parole doit monter, et celui l'orgueilleux doit tomber, bien-aimé. L'ennemi doit tomber, bien-aimé. Les forces contraires doivent tomber, les forces humaines doivent tomber, tous doivent fléchir les genoux devant toi, car en toi, tu as un grand Dieu. Laisse que le nom de Dieu soit élevé dans ta vie. Laisse que sa parole soit encore bénie en ce matin, dans son nom précieux, que nous avons ainsi libéré le message, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre 14e, bien-aimé. Tu peux avoir une situation compliquée, bien-aimé, qui bloque ta vie. Si tu peux nous contacter, bien-aimé, nous serons heureux, bien-aimé, de te recevoir, bien-aimé, pour pouvoir marcher avec toi, pour pouvoir, bien-aimé, t'aider, bien-aimé, à pouvoir avancer ensemble dans la prière. Nous sommes disponibles, bien-aimé, tu peux nous contacter, soit sur les réseaux, nous avons notre numéro de téléphone aussi, tu peux nous contacter. Nous serons très heureux de pouvoir t'accompagner, de pouvoir franchir, à pouvoir terrasser ce muraille, à pouvoir aplanir cette montagne qui s'est élevée, bien-aimé, et à pouvoir avancer dans le nom de Jésus. Que son nom soit élevé. Nous nous retrouverons dans 14 jours, bien-aimés, dans la 14e du Seigneur. Si entre-temps, Christ ne revient pas, nous serons ensemble, bien-aimés. Entre-temps, nous sommes dimanche aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes jour du Seigneur. Alors là où tu es dans ta famille, dans ta maison, bien-aimé, va à l'église. Va adorer, va élever, va magnifier ce Dieu-là. Car ce jour, c'est son jour. Il t'a donné 6 jours pour faire ce que tu veux faire. Et là, il s'est choisi juste un jour pour lui, pour le consacrer, bien-aimé. Alors si tu n'as pas travaillé, si tu n'es pas au travail, va élever ce Dieu-là. Va élever ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Et bien-aimé, tu ne le feras pas gratos, bien-aimé. Il saura comment te rémunérer. Que ton nom soit élevé, que son nom soit élevé. Passe un bon dimanche dans sa présence et à très bientôt dans la 14e du Seigneur avec la même joie de partager la parole, la même joie d'être dans sa présence, la même joie de te rencontrer, d'être avec toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Amen, amen et shalom à toi mon frère. À très bientôt.